وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous remercions Allah Ta'ala d'être réunis dans cette assemblée qui est une des assemblées les plus aimées d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, où on apprend notre religion, on essaie de comprendre la parole d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, qui est le Coran. Et subhanallah, ça c'est une ni'ma azima, c'est un bienfait énorme dans cette époque de pouvoir s'asseoir dans ce genre d'assises. À une époque où les gens ils perdent leur temps et leur argent dans les choses illicites, dans les futilités. Ça, c'est un choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut être reconnaissant envers Allah. La permission ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Nous avons choisi de faire le dimanche un cours sur l'explication du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant d'entrer dans le vif du sujet et expliquer la manière dont on va procéder dans nos cours, on est dans la nécessité de prendre une introduction. D'avoir une introduction sur ce sujet-là. J'ai fait le choix de prendre certains points qui sont cités dans un recueil de Cheikh Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui s'appelle Muqaddimah fi usul al-tafsir. Introduction en ce qui concerne les bases du tafsir, de l'exégèse du Coran. Cette Muqaddimah, cette introduction que Cheikh Islam a fait, c'est un petit épître où il évoque les règles essentielles concernant le tafsir. Après cela, on commencera, si Allah Ta'ala nous permet, si on a le temps de finir ces points-là, expliquer la manière dont nous allons procéder dans notre explication du Coran et quel livre ou sur quelle manière d'expliquer le Coran ou de faire l'exégèse du Coran, nous allons nous appuyer. Premièrement, il faut savoir que Allah Tabaraka wa Ta'ala a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour transmettre son message qui est le Coran. Et aussi la sunna, qui est une révélation. Donc comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a transmis à ses compagnons et à la communauté, c'est-à-dire après les compagnons eux-mêmes l'ont transmis à la communauté, les mots et les lettres du Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas omis de leur transmettre aussi leur sens, le sens de ces mots-là. Ça, c'est un point essentiel. Vous allez le voir, on va y revenir souvent. Car c'est sur ce point-là que les innovateurs, les gens qui veulent expliquer le Coran, ils disent qu'il y a un sens caché du Coran, ils sont déjà en divergence avec nous sur ce point-là. Ça veut dire, en disant qu'il y a un sens caché du Coran, c'est comme si ils disaient que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas complété sa mission. Ou bien il a trompé sa communauté. Et c'est ce que l'imam Malik, rahimahullah, a dit en parlant des innovateurs.
Celui qui invente dans cette religion une chose, c'est, il prétend cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi sa mission. C'est comme s'il traitait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de traître. Donc imaginez-vous un peu la gravité de cela. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sourate An-Nahl, la sourate des abeilles, verset 44, dans le sens des versets, pour que tu expliques aux gens ce qui leur a été révélé. Donc une des missions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme Allah ta'ala l'a choisi comme annonciateur et avertisseur, il l'a choisi aussi pour expliquer l'essence du Coran. On sait aussi que l'objectif d'une parole, c'est d'en comprendre ses sens. Ce n'est pas juste réciter ses lettres et ses mots. Ça, c'est un point aussi à prendre en considération. De même, c'est impossible de dire qu'un livre, dans n'importe quelle science parmi les sciences, la médecine, les mathématiques, n'importe quelle science parmi les sciences mondaines même, on ne peut pas dire que l'objectif de ce livre, il a été écrit juste pour le lire sans en comprendre l'essence. Alors, qu'allons-nous dire de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah ta'ala nous a ordonné de le méditer et d'en comprendre l'essence. D'ailleurs, pourquoi certaines sourates et certains versets ont plus de valeur que d'autres? Est-ce que c'est pour les lettres et les mots qu'il y a dedans? Ou pour le sens qu'ils renferment? C'est pour le sens qu'ils renferment. Pourquoi Ayatul Kursi est le meilleur verset du Coran? Car il renferme les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi sourate Al-Ikhlas équivaut à un tiers du Coran? C'est aussi pour cela. Donc, si même la valeur des versets entre eux et des sourates entre elles, elles sont liées au sens du Coran, alors il n'y a aucun doute que l'objectif, c'est le sens et non pas juste les lettres à réciter. C'est pour ça, barakallahu fikum, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis les lettres, les mots du Coran et les sens à ses compagnons, c'est pour ça que dans l'explication et l'exégèse du Coran, il y avait très peu de divergences entre les compagnons. Il y en a eu un petit peu plus chez les tabi'in, ceux qui sont venus après eux. Et encore plus chez ceux qui les ont suivis après. Plus on s'éloignait de la source, plus la divergence était présente. Et plus on était proche de la source, plus l'union et l'accord étaient présents. D'ailleurs, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens ne pouvaient pas diverger. C'est pour ça que la divergence n'est née qu'après lui, sallallahu alayhi wa sallam. Car quand il divergeait à son époque, qu'il revenait à lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam jugeait entre eux. Et il était obligatoire à chacun de prendre le jugement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est là que la divergence entre les sahaba a été présente dans le fiqh, par exemple, dans la jurisprudence, dans certains points, mais dans le tafsir, très très peu. Dans le tafsir, dans l'explication du Coran, c'est très rare qu'on voit de la divergence entre les compagnons, même si il y a certains avis. On a l'impression que c'est de la divergence, mais on voit en réalité que ce n'est pas une divergence qui se contredise. Mais c'est une divergence dans le tanawwu'. C'est-à-dire que chacun donne un point qui donne une vision de la chose, mais tous les points peuvent s'unir. Ils ne se contredisent pas. Ah. De même qu'on a dit que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont pris les mots et les paroles du Coran du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de même les tabi'in, les suiveurs, ils l'ont appris de qui? Ils l'ont appris des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme ils ont appris d'eux la science de la sunnah, ils ont aussi appris d'eux le Coran et la science de l'explication du Coran. C'est pour ça que parmi les plus grands exégètes du Coran, il y a les élèves d'Abdullah ibn Abbas, comme Mujahid et Atta. Ça, on va le voir, inshallah, tabarak wa ta'ala. La seule différence, c'est que les tabi'in, certains d'entre eux, parmi les tabi'in, les suiveurs, donnaient des avis qui étaient liés à des efforts de déduction des textes, que ce soit du Coran ou que ce soit de la sunna, mais toujours avec science, pas de leur avis personnel, comme on va le voir plus tard. On a expliqué que les pieux prédécesseurs, en ce qui concerne le fiqh, ils ont pu diverger, la jurisprudence. Mais en ce qui concerne le tafsir, leur divergence est minime.
comparé à la jurisprudence. Et on a expliqué la cause de cela. Car ils l'ont pris des compagnons et les compagnons l'ont pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même si il arrivait qu'ils divergent, cette manière de diverger est de deux sens. Ou bien ils ont donné des noms différents pour une même chose. Deux appellations différentes mais qui ont le même sens. Donc ça, il n'y a pas de mal. Ce n'est pas une divergence. Ou bien chacun a donné un exemple ou une partie de la chose dont il voulait parler. Ils ont cité un exemple. Alors, un d'entre eux a cité un exemple, un autre a cité un autre exemple. Mais en fait, tous ces exemples-là, ils font partie d'un tout commun. Donc, ce n'est pas une vraie divergence aussi. En ce qui concerne l'explication du Coran, comment est-ce que les savants, ils ont expliqué le Coran al-Karim? Ils ont appris d'abord du prophète sallallahu alayhi wa sallam à expliquer le Coran. Comment lui-même l'a expliqué? Le premier exemple, c'est quand Allah tabaraka wa ta'ala a dit, en parlant des croyants, ceux qui ont cru et qui n'ont pas couvert leur foi d'injustice, voilà ceux qui ont la sécurité et qui seront bien guidés. Taïb, les compagnons, ils ont trouvé ce verset très lourd, très difficile. Ils ont été voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, qui d'entre nous ne se fait pas d'injustice au messager d'Allah? On se fait tous de l'injustice. On est tous manquants, on fait tous des péchés. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur expliquer que l'injustice que les compagnons ont compris dans ce verset, ce n'est pas l'injustice dont Allah veut parler. Et il a expliqué ce verset par un autre verset du Coran. Quand Allah Ta'ala dit, en parlant de Luqman, qui dit à son fils, certes, le polythéisme, l'associationnisme est une injustice énorme. Donc l'injustice dont le prophète, dont Allah Ta'ala voulait parler dans le premier verset, il a été expliqué par cet autre verset qui disait que c'est quoi l'injustice dont il parle ici? C'est shirk, c'est l'associationnisme ou le polythéisme. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait quoi? Il a expliqué le Coran par quoi? Par le Coran. Donc la première manière et la première chose sur laquelle on doit s'appuyer pour expliquer le Coran, c'est d'abord le Coran. Quand il y a des versets qui sont venus parler de choses en général, il y a d'autres versets qui vont venir détailler. Quand il y a un mot ou un sens qui est utilisé dans le Coran, qui n'est pas détaillé, on va trouver, Inch'Allah, d'autres versets qui vont le préciser et le détailler. Donc la première chose, c'est expliquer le Coran par le Coran. Comment on sait que c'est la première chose qui est obligatoire à faire? C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait lui-même. Quand dans plusieurs situations, il a expliqué le Coran par le Coran. Donc c'est lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a enseigné, qui a enseigné aux savants comment on explique le Coran. Deuxième manière, c'est par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, la sunna, c'est quoi la sunna? C'est tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a agréé, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les actes ou les paroles de ses compagnons qui étaient autour de lui. Ou même les qualités physiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les traits de caractère, ça fait partie aussi de la sunna. Donc, quand on n'a pas la réponse détaillée ou l'explication d'un verset dans le Coran où il y a un sens qui est équivoque dans le Coran, comme c'est la règle chez Ahl Sunna wal Jama'a, même s'il y a des paroles équivoques dans le Coran ou des règles qui sont équivoques, qui ne sont pas claires, on le ramène au muhkam, aux règles qui sont claires, comme Allah Ta'ala a dit, qui sont la base du livre. Si on n'a pas trouvé, alors dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on aura la réponse bi'idhnillah, que ce soit par ses actes, par la manière dont il a pratiqué ses versets, ou par la manière dont il les a expliqués, ou par la manière dont les compagnons l'ont pratiqué, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé cela. Ce sera la deuxième manière d'expliquer le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate An-Nisa, verset 105, dans le sens des versets, Allah ta'ala dit, on a révélé sur toi le livre en vérité pour que tu juges entre les gens par ce qu'Allah t'a fait voir. Donc il a dit ici au prophète sallallahu alayhi wa sallam de juger entre les gens par ce qu'Allah lui a fait voir, par ce qu'Allah lui a révélé, donc par la sunna sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est une preuve aussi que la sunna, elle est révélée. Comme Allah ta'ala dit dans un autre verset, et Allah a descendu à révéler sur toi le livre et la sagesse, et il t'a enseigné ce que tu ne connaissais pas. Et certes, le bienfait d'Allah est sur toi énorme. Donc, ça prouve que la sunna aussi est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah ta'ala le dit.
On a dit le verset tout à l'heure aussi dans sourate An-Nahl. Allah Ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a révélé, descendu sur toi le rappel pour que tu exposes aux gens ce qui leur a été révélé, et certainement ils réfléchiront ou ils méditeront. Sourate An-Nahl, les abeilles, verset 44, dans le sens du verset. Comme Allah Tabaraka wa Ta'ala dit aussi dans sourate An-Nahl, dans la même sourate, verset 64, et on a révélé sur toi le livre que pour que tu leur exposes ce sur quoi ils ont divergé, et comme guidé et miséricorde pour des gens qui sont croyants, dans le sens des versets. De même qu'il a été rapporté dans le hadith véridique, rapporté par l'imam Abu Daoud et Tirmidhi et Ibn Majah, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, on m'a donné le Coran et une autre chose équivalente avec, qui est quoi? La sunna, comme on a dit tout à l'heure. Donc ça, ce hadith, il vient dans le même sens que ce verset. Ah. Puis Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a cité un hadith que certains savants ont vu qu'il était faible, mais lui, il a considéré qu'il était acceptable. Quand le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Mu'adh ibn Jabal, quand il l'a envoyé au Yémen, il lui a dit, comment vas-tu juger entre eux? Il a dit, par le livre d'Allah. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, et si tu ne trouves pas? Il a dit, par la sunna de son messager. Il lui a dit, et si tu ne trouves pas? Il a dit, je vais faire l'effort de déduction. Je vais faire l'effort de déduction. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a frappé sur sa poitrine et il lui a dit Alhamdulillah, je loue Allah qu'il a permis au messager du messager d'Allah de faire ce que Allah agrée. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agréé cette manière de comprendre de Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu. Il lui a frappé dans la poitrine, il lui a dit Alhamdulillah qu'Allah a permis au messager du messager d'Allah. C'est-à-dire c'est lui qui l'a envoyé comme messager. Naam. Donc on a dit, barakallahu fikum, la manière d'expliquer le Coran par le Coran, par la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a expliqué qu'est-ce que c'était la sunna. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fait, approuvé, et ses qualités physiques et de caractère. Si il n'y a pas dans le Coran et dans la sunna, ou bien il y a, mais ce n'est pas encore assez clair, alors, on reviendra aux paroles des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et ça, c'est ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a ordonné de s'accrocher à sa sunna, à sa tradition, et à la tradition de ses califes bien guidés, et il nous a dit de s'y accrocher avec nos molaires. Comme il a dit dans le hadith de Al-Irbad ibn Sariyah, celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences, alors accrochez-vous à ma tradition, à la tradition de mes califes bien guidés, accrochez-vous avec vos molaires. Naam. Donc on reviendra à l'explication des compagnons. Même dans les paroles des compagnons, il y a des priorités. Les paroles des quatre califes, et surtout de Abu Bakr et de Omar, c'est pas comme les paroles d'autres qu'eux. Car il y a des textes clairs qui demandent de suivre leur tradition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a désignés précisément. Bien que dans d'autres textes, il a précisé les compagnons généralement. Mais là, il a désigné précisément ces quatre-là. En disant, accrochez-vous à ma tradition et à la sunna de mes califes bien guidés. Donc il a désigné précisément les califes bien guidés. Donc, si il venait à avoir une divergence entre la parole d'un calife et la parole d'un autre compagnon, sans qu'il n'y ait d'autres preuves de la sunna, par exemple, qui puisse faire prévaloir une parole sur une autre, alors la parole du calife serait devancée par rapport à la parole d'un autre compagnon. Après la parole des califes, il y a les paroles de Abdullah ibn Mas'ud et de Abdullah ibn Abbas qui sont devancées. Car Abdullah ibn Mas'ud a dit lui-même, je jure par celui qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration, sauf lui. Il n'y a pas un verset qui est descendu dans le livre d'Allah sans que je ne sache pourquoi il a été descendu, pourquoi il a été révélé et où il a été révélé. Et si je connaissais un endroit où il y a une personne qui connaît le livre d'Allah mieux que moi, je prendrais toutes les montures possibles pour y aller.
Donc regardez Abdullah ibn Mas'ud, comment il connaissait la science du Coran. C'est lui-même qui a dit, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on apprenait divers versets, ils apprenaient par cœur, ils en apprenaient les règles et les règles qui en découlent, et etc. Et ils le comprenaient avant de passer à apprendre d'autres versets. Donc si, effectivement, il a agi comme ça avec tout le Coran, alors imaginez-vous la connaissance d'Ibn Mas'ud du Coran. De même, le savant et la mère de science de cette communauté, qui est Abdullah ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a invoqué Allah pour lui. Il lui a dit, « Ya Allah, rends-le versé dans les sciences de la religion et enseigne-lui l'exégèse. » Ce n'est pas dans le sens « ta'wil » comme on a chez les Asha'ira ou le Maturidi. Ce n'est pas ce sens « ta'wil ». Le « ta'wil » ici, c'est le sens de l'explication. Pas le sens d'interpréter. Ce n'est pas le sens de l'interprétation des qualités d'Allah ou des noms, des attributs d'Allah dans un sens en changeant les sens ou en déviant ou en reniant certains noms ou qualités d'Allah. Non, ici, « ta'wil », c'est l'interprétation louée et louable, non pas l'interprétation réprimée et réprimandable et rejetée et interdite. Donc, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a invoqué Allah pour Abdullah ibn Abbas. D'ailleurs, c'est pour ça que ses élèves sont les grands savants du tafsir, car ils ont pris le tafsir, ils ont pris l'explication du Coran de qui ? De Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu. Ceux qui ont déjà ouvert parmi vous les livres de tafsir de Ibn Kathir ou Tabari, ils pourront voir Qala Mujahid, Qala Ata, Qala Ikrima. Ils vont voir beaucoup le nom de Mujahid Ata revenir dans presque tous les versets. Et qui sont Mujahid et Ata ? Ce sont parmi les tabi'in, les élèves de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, wa an abi. Naam. En ce qui concerne les paroles des compagnons, il y a des petits détails à voir. Premièrement, si il nous est arrivé une explication d'un verset ou d'un sens du Coran d'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de plusieurs d'entre eux et qu'aucun parmi les compagnons n'a dit le contraire de cela, alors on est obligé de le comprendre dans ce sens-là. Ça, c'est une première chose. Si un des compagnons a expliqué le Coran, un verset du Coran, ou plusieurs parmi les compagnons ont expliqué un verset du Coran d'une manière, et qu'il n'y a aucun parmi les compagnons qui l'a contredit, alors c'est comme un ijma'. Ce sera un consensus des compagnons. Et ce sera une obligation de suivre cette compréhension. Et celui qui dira le contraire de cela, on dira c'est un mubtadi', c'est un innovateur. Car il aura choisi un autre chemin. Il aura dit « Salakarera sabil il mu'minin ». Il aura pris un autre chemin que le chemin des croyants. Qui sont les croyants dont Allah Ta'ala parle de ce verset ? Ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le Coran al-Karim, celui qui contrevient, qui contredit le chemin du prophète et qui suit un autre chemin que le chemin des croyants, « Min ba'di ma tabayyana lahu al-huda » après que la guidée lui ait été évidemment exposée, et qui suit un autre chemin que le chemin des croyants, nous le retournerons sur ses pas et nous le brûlerons en enfer. Et quelle mauvaise demeure, dans le sens des versets. Donc là, Allah Ta'ala ne s'est pas suffi de dire qu'il faut suivre le chemin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais il a mis en garde celui qui prend un autre chemin que le chemin des croyants d'être parmi ceux qu'Allah, qui vont encourir la colère et le châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les croyants dont Allah tabaraka wa ta'ala nous parle ici, c'est les mêmes croyants dont Allah Ta'ala parle dans sourate al-Baqarah. فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. Et s'ils croient dans la même chose dont vous croyez, ils parlent de qui ici ? بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. Ils parlent des compagnons, la même foi que les compagnons, radiyallahu anhum. Il a mesuré, subhanahu wa ta'ala, il a mis la norme, barakallahu fikum, la norme de la bonne foi. C'est la norme de la foi des compagnons, radiyallahu anhum. Comme il l'a dit dans sourate al-Baqarah. De même que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tous les hadiths qu'on connaît, où il nous a enjoint, il a dit le meilleur siècle, les meilleurs gens sont mon siècle, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. De même que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mis en garde qu'après lui, sa communauté va se diviser en 73 sectes. Comme les juifs se sont divisés en 71 et les chrétiens en 72. Et il a dit, tous sont au feu sauf une.
Il a dit quoi? Dans une version, il a dit Al-Jama'a. Al-Jama'a, le groupe, c'est qui? Vous croyez que c'est le groupe aujourd'hui? Al-Jama'a, vous croyez que c'est la majorité des gens? Non, Al-Jama'a, c'est les compagnons. Al-Jama'a, c'est eux, Sabil Mu'minil, Al-Mu'minoun, dont Allah Ta'ala parle dans le Coran. C'est les compagnons et ceux qui sont restés sur leur groupe. Al-Jama'a, c'est ceux qui se sont réunis sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Jama'a, ce sont ceux qui se sont attachés à la voie des pieux prédécesseurs. Al-Jama'a, ça peut être une personne, si elle est dans la vérité. Al-Jama'a, c'est ceux qui sont dans la vérité, même s'ils sont peu. Et cette Al-Jama'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué dans notre hadith. C'est qui? Ma'ana alayhi wa ashabi. Ce sur quoi je suis, ma'ana alayhi liyum wa ashabi. Ce sur quoi je suis moi aujourd'hui et mes compagnons. Donc, il ne s'est pas suffi, sallallahu alayhi wa sallam, de citer seulement sa voix. Mais la vraie voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle ne peut pas diverger avec la voix de ses élèves, de ses compagnons, de ceux qu'Allah a choisis pour transmettre la révélation, que ce soit le Coran et la Sunna. Il n'y a pas des gens qui peuvent mieux comprendre, mieux pratiquer, plus pieux, plus aimé auprès d'Allah après les prophètes que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont gagné cette récompense, cette valeur, cet honneur d'accompagner, d'être en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le voir et de croire en lui et de mourir sur cette foi-là. Quel meilleur bienfait que cela! Donc, subhanallah, comme disaient les savants en parlant des rafidah, Al-Rawafid, les Shi'a. Il dit, subhanallah, dans toutes les communautés, tout le monde a dit du bien des compagnons de leur prophète. Chez les chrétiens, si tu demandais qui sont les meilleurs parmi vous, ils vont dire les compagnons de Isa. Si chez les juifs, tu demandes qui sont les meilleurs parmi vous, ils vont dire les compagnons de Moussa. Et ici, tu demandes à Rafidi qui sont les meilleurs parmi vous, il va pas dire les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il va dire c'est les pires, il les insulte et les traite de mécréants. Donc ça montre comment l'égarement de ces gens loin, de ces gens-là, qui remettent même en question le Coran. Donc on a dit l'explication du Coran par le Coran, par la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par l'avis des compagnons. L'avis des compagnons, on a expliqué que si ils sont en unanimes ou ils sont d'accord sur un avis, c'est une obligation de prendre cet avis. S'ils divergent, dans ce cas-là, on prendra parmi l'avis des compagnons celui qui est le plus fort en preuve, celui qui est le plus appuyé en dalil, en preuve, que ce soit par des hadiths ou par du Coran ou par même son effort de déduction, il est beaucoup plus clair et beaucoup plus conforme et beaucoup plus en concordance avec l'apparence du texte. Naam. C'est pour ça Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, c'est pas aujourd'hui l'ilm, les gens y croient à la science, c'est de répéter comme ça par cœur beaucoup de choses, les paroles des savants, ils ont divergé, tel a divergé, tel a dit ça, dans telle école il y a ça. Non, l'ilm c'est pas ça. Il a dit, Ibn al-Qayyim, que la science, c'est ce que Allah a dit, ce que le messager a dit, ce que les compagnons ont dit. C'est ça la science, barakallahu fikum. Ce sont eux nos références. Ce n'est pas, comme ils disent, comme il a dit Ibn al-Qayyim, « Ma l'ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bayna ar-rasuli wa bayna qawli faqih. » Il a dit, la science, ce n'est pas de venir ramener la divergence et de mettre en contradiction la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec la parole d'un savant. Oui, tel savant a dit ça. Comment tu peux? Abdullah ibn Abbas, qu'a-t-il dit? Il discutait avec des gens à son époque déjà. Il leur disait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose. Eux, ils disaient, oui, mais Abu Bakr et Omar ont dit ça. Il l'a répété deux ou trois fois. Ils ont dit, Abu Bakr et Omar, ils ont dit ça. Il a dit, je vous dis, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous me dites Abu Bakr et Omar. Il a dit, Wallah, j'ai peur qu'il y a des pierres qui pleuvent sur vos têtes, du ciel. Ça, c'est pour ceux qui ont dit, Abu Bakr et Omar ont dit. Alors que Abu Bakr et Omar, ça fait partie des gens que s'ils mettent des choses en place, on doit les suivre, même si c'est eux qui les mettent en place. Qu'allons-nous dire des gens qui sont venus après, alors? Naam. En ce qui concerne les compagnons, des fois, on trouve ça dans les tafsirs,
il rapporte des paroles de Ahl al-Kitab, des Israéliyats. Par exemple, ils vont rapporter des descriptions de certains prophètes, des descriptions du bâton de Moussa. C'est clair ? Comment ils ont rapporté cela ? Ils n'ont pas rapporté ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont rapporté cela des gens du livre avec qui ils ont eu contact. Que ce soit les juifs ou les chrétiens avec qui ils ont eu contact. Les paroles des gens du livre, ils sont de trois sortes. La première sorte, c'est ce qui a été affirmé par nos textes à nous. Que ce soit le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui vont exactement dans le même sens. Ces paroles-là, elles sont justes et on y croit. La deuxième catégorie des Israéliades, de ce qui est rapporté de Bani Israël, surtout la plupart, si ça a été rapporté des Bani Israël, c'est ceux dont nos textes véridiques ont contredit, clairement. Donc cela, il est obligatoire de les délaisser. Et il est obligatoire de ne pas y croire. La troisième catégorie, c'est ce qui n'est ni contredit, ni affirmé par notre révélation, par le Coran ou la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette catégorie-là, on a le droit de la rapporter, mais on ne doit ni y croire, ni la démentir. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a autorisé à en parler. Dans une autre version, il a dit « Wala tusaddiquhum, wala tukadhibuhum » en parlant de cette catégorie-là. Ne les traitez pas de mensonges et ne dites pas que c'est vrai. En général, ces catégories-là, c'est dans des choses qui ne sont pas vraiment utiles. Pourquoi ? Allah Ta'ala ne nous a pas laissés en vain. Il n'y a pas une chose parmi les choses qui sont nécessaires à nous ou une chose parmi les choses dont on a besoin dans notre vie, ou pour adorer Allah, ou pour notre au-delà, sans que Allah Ta'ala il les révèle avec des preuves. Les choses qu'Allah Tabaraka Ta'ala a délaissées, ce n'est pas par oubli. C'est par miséricorde, ou par sagesse, subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, connaître la couleur du vêtement d'un prophète, à travers quel arbre Allah Ta'ala a parlé à Moussa, ça change quoi en pratique ? Rien. Ça change rien, ni dans notre croyance, ni dans notre pratique. Donc en réalité, ce n'est pas utile. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a autorisé à en parler, mais on ne doit pas ni y croire, ni le démentir. Et en réalité, si on n'en a pas besoin, il vaut mieux même pas le rapporter. Comme ça, on n'en a pas besoin. Comme ça, on va pas mettre les gens dans le trouble. On se concentre sur l'essentiel. Mais il est permis de le rapporter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Hadithu an bani Israël wa la haraj ». Donc ce qui n'est pas contradictoire à nos textes, on peut en parler. Mais ce ne sera pas une preuve à part entière. C'est ça qu'il faut savoir. On n'en parle pas. De toute façon, tous les textes de Bani Israël, c'est jamais une preuve à part entière. C'est-à-dire que si ça vient confirmé ou ça a été confirmé par des textes, là, on l'utilise. L'ilistishhad, pour venir, on va dire, appuyer un peu plus, aller dans le même sens. Mais jamais c'est une preuve à part entière en soi. Naam. Après les paroles des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vient les paroles des tabi'in. En ce qui concerne les paroles des tabi'in, de ceux des suiveurs, il y a divergence entre les savants. Est-ce que c'est une preuve sur laquelle on peut s'appuyer ou non ? Le plus juste, wa lil wa al-ilm 'indallah, comme Cheikh Al-Uthaymeen le dit dans l'explication de l'Muqaddima, et même Cheikh Al-Islam, il montre que les savants ont divergé sur ce point quand il l'amène, que c'est clair que plus on est proche de l'époque prophétique, plus l'effort d'interprétation est plus à même d'être juste. Mais ça ne veut pas dire par là que c'est une preuve à part entière en soi. Par exemple, si les imams, les quatre imams qui sont venus après eux, certains hadiths ou certains textes leur ont échappé. Donc de même, certains parmi les tabi'in, certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou certains textes leur ont échappé. Donc ceux qui sont venus après eux parmi les savants ont expliqué le Coran en s'appuyant sur ces textes-là. Et le tabi'i qui était avant lui n'avait pas ce texte, il a exprimé sa compréhension selon les textes qu'il avait devant lui. Il est clair dans ce cas-là que même celui qui est venu après lui, s'il a des textes plus clairs qui sont véridiques, celui qui est venu après lui, sa parole sera devancée. Car ses preuves sont plus solides. Mais si on a le choix entre la parole
d'un tabi'i et la parole de gens qui sont venus des siècles après ou même juste après eux et qu'il n'y a aucun élément extérieur qui pourrait venir appuyer l'un ou l'autre parmi les avis, il est clair que devancer la parole du tabi'i, c'est ce qu'il y a de plus juste. Car on n'oublie pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que le meilleur siècle est le sien, puis celui qui le suit, puis celui qui le suit. Donc plus les gens étaient proches de l'époque de la révélation, de l'époque de la prophétie, plus ils étaient pieux, plus ils étaient loin des passions, plus ils étaient forts dans la compréhension de la langue arabe, plus ils avaient côtoyé les gens qui ont reçu la révélation, qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est clair que leur effort de compréhension et d'interprétation, il est plus à même d'être juste que ceux qui viennent après. Mais il n'a pas le même poids qu'une parole d'un compagnon. Il n'a pas le même poids qui est une hujja. La parole d'un compagnon, c'est une hujja. Hein, ça peut être une hujja s'il n'y a aucun autre élément. La parole d'un tabi'i, ça n'a pas le même poids. S'il n'y a aucun autre élément extérieur, oui, on peut le devancer. Mais celui qui contredit, par exemple, la parole d'un tabi'i avec des preuves, on pourra accepter sa parole. Alors que celui qui contredit, par exemple, la parole des compagnons, selon sa compréhension à lui, et qu'aucun compagnon n'a divergé avec lui, là, on le dira, c'est un mubtadi'. Et il a contredit l'ijma' des sahaba, radiallahu anhum. Pareil pour les tabi'i, il faut voir si c'est juste une parole d'un tabi'i ou est-ce qu'ils se sont tous mis d'accord. Si on voit que plusieurs parmi les tabi'i disent la même parole, ça a plus de poids que si seulement un d'entre eux dit cela. Donc tout ça, c'est des choses hein, que les savants étudient et voir pour savoir comment prédominer une parole ou avancer un avis sur l'autre dans l'explication du Al-Qur'an al-Karim. Naam. On va finir ce point-là avant d'expliquer le livre sur lequel on va s'appuyer, inshallah, dans le cours, par l'interdiction d'expliquer le Qur'an selon son avis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans les hadiths sahih, celui qui dit une chose sur le Qur'an sans science, qu'il prépare sa place en enfer. Et il a même dit dans un autre hadith, celui qui dit dans le Coran de son avis, par son avis, et il a trouvé juste, il a quand même une erreur. Il est quand même dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'il a parlé sur le Coran sans science, de son avis. Et ça, c'est comme le cas des gens qui n'ont pas étudié et qui veulent expliquer le Coran ou le hadith de leur déduction. Même si son effort de déduction est juste, il a un péché. Pourquoi? Car il n'est pas habilité à faire cela. Ce qui lui est obligatoire à lui, au commun du musulman, c'est de demander aux gens du rappel, aux gens de science. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. C'est seulement celui qui peut faire l'effort de déduction, qui a étudié, qui a les outils, la langue arabe, la science de l'usul, la science du hadith, les paroles des fuqaha, etc., les manières de déduire des règles qu'il a appris, cela, et d'autres règles encore, qui maîtrise ces outils-là, qui peut se permettre de faire cet effort de déduction. Ce n'est pas à tout le monde. Celui qui a ces outils-là, qui a la capacité ou l'aptitude à expliquer les paroles d'Allah et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, puis il fait l'effort de déduction en cherchant la vérité sincèrement. Même s'il se trompe, il a une récompense. Et s'il a raison, il a une double récompense. S'il se trompe, il a la récompense d'avoir fait l'effort de déduction. Et s'il a raison, il a la récompense d'avoir fait l'effort de déduction plus la récompense d'avoir trouvé ce qui est vrai, ce qui est juste. Wadih ? Donc, barakallahu fikum, ça... C'est très important de savoir cela. D'ailleurs, pour montrer la gravité, Allah Ta'ala a parlé de ceux qui font, comment on dit, qu'ils condamnent son frère d'avoir fait la fornication. Mais les conditions ne sont pas réunies. Il est seul. Il est seul à avoir vu ça. Il l'a vu. Il est témoin. Il n'a pas menti. Allah l'appelle menteur. Pourtant, il l'a vu. Il ne ment pas. Mais comme il n'avait pas à parler dans ce moment-là, parce que les conditions ne sont pas réunies, parce que le nombre de témoins n'est pas réuni, le fait de le dire, c'est un menteur quand même. Vous avez vu? Donc c'est pour montrer, subhanallah, que même si quelqu'un fait l'effort de déduction et il tombe sur ce qui est juste, il est quand même pécheur. Parce qu'il n'avait pas les conditions. Pourquoi? Pour faire cela.
D'ailleurs, comme on va voir dans le tafsir de Fas'alou Ahl al-Dhikr in kuntum la ta'lamoun, donc il dit clairement, l'imam Sa'di, qu'il est interdit à tout autre de déduire du Coran et qu'il est interdit de demander à tout autre que ceux qui sont aptes à répondre, aux gens de science. Et il développe dans cela et il dit que celui, justement, il affirme ce point dont on vient de parler, que celui qui fait l'effort de déduction alors qu'il n'est pas, il n'a pas l'aptitude de cela, il est pécheur même s'il trouve la bonne réponse. Non. Une fois qu'on a parlé un petit peu de cette introduction-là, la Muqaddima de Cheikh l'Islam, elle est plus longue, mais il y a des points qui ne sont pas appropriés pour les francophones, c'est un peu compliqué. Premièrement, l'explication du Coran en français, il est clair que ça ne peut jamais équivaloir à l'explication du Coran en arabe. Il y a une grande partie de l'explication dans l'explication du Coran qui est liée sur les secrets de la langue arabe, sur pourquoi ça a tel sens et pas tel sens, lié à la grammaire ou lié à la prose al-balagha ou etc. Donc tout ça, on va devoir le passer en français. Il n'y a aucune utilité à parler de ça en français. Donc il y a toute cette partie-là, on ne va pas en parler. Ou peut-être des fois, s'il y a un intérêt pour une règle qu'on va en tirer ou une explication, peut-être on pourra faire une ishara. Deuxièmement, on a choisi, bi'idhnillah, de s'appuyer sur le tafsir de Sa'di, l'imam Sa'di. Ça ne va pas être une traduction littérale de son tafsir. Mais on va s'appuyer sur son tafsir en traduisant les lignes, les points généraux et en ramenant certains points qui ne sont peut-être pas cités dans son tafsir, qui sont cités dans d'autres tafsirs, comme Ibn Kathir ou Adwa al-Bayan de Mohamed al-Amin al-Shanqiti ou Shawkani, Fath al-Qadir ou d'autres tafsirs. Ou s'il y a un intérêt à le citer, comme par exemple certaines règles dont on a besoin dans la vie, mais on ne va pas s'étaler. L'objectif premier, c'est de prendre un sens général des sourates du Coran qu'on lit habituellement. C'est pour ça qu'on va expliquer, bi'idhnillah, la sourate al-Fatiha et Juz Amma, c'est-à-dire les deux derniers hizb du Coran. On va, bi'idhnillah, commencer par le Fatiha et puis après, commencer par les sourates les plus courtes. Nas et monté. Comme ça, même si certains ils ont fait qu'une partie des cours, au minimum, ils auront pris l'explication dans les sourates qu'ils répètent tous les jours. Naam. Pourquoi on a choisi le tafsir de l'imam Sa'di? L'imam Sa'di, c'est un imam contemporain, juste avant nous, qui était le cheikh de Cheikh Mohamed Saleh al-Uthaymin. Et les savants conseillent son tafsir. Et ils disent, c'est le tafsir qui appuie et qui explique le mieux la aqidah des salafs, c'est le tafsir de l'imam Sa'di. Voilà pourquoi déjà on a choisi ce tafsir. Deuxièmement, c'est un tafsir résumé, qui ne ramène pas les divergences d'opinion, divergences dans les hadiths. Il cite très peu de hadiths dans le tafsir, mais il va s'axer et se concentrer sur le sens général des versets et des sourates. Autre point dans ce tafsir, c'est qu'il ne va pas détailler les règles de jurisprudence, comme vous allez trouver par exemple dans Ibn Kathir, quand on parle de la Fatiha, parler des règles liées à la Fatiha. Dans Ibn Kathir, vous allez le trouver. Est-ce que la Fatiha c'est un pilier de la prière ou non? Est-ce que al-Basmala ça fait partie de la Fatiha ou non? Il ne parle pas du tout de tout ça. Il se concentre sur tous les sens dans lequel on peut affirmer et appuyer la bonne croyance. Donc vous allez voir, alhamdoulilah, il va faire souvent référence au tawhid, à la croyance, au nom et aux attributs, etc., etc. Et donc ce tafsir aussi, c'est un tafsir qui est simple. Un des premiers tafsirs qui a été conseillé par les savants pour tout le monde. Ils ont conseillé à chaque musulman de lire ce tafsir. Il est résumé, il est simple, il est fait par un savant de confiance. Il affirme la aqida des salafs, il te donne les sens généraux du Coran. Donc ça c'est un tafsir, tout le monde doit passer par ce tafsir. Un docteur dans les sciences du tafsir en Arabie, qui est quelqu'un qui s'est spécialisé dans cette science-là, qui disait qu'il avait comme premier livre, il a étudié le tafsir de l'imam Sa'di, mais rapidement, il en voyait l'intérêt, mais il se disait c'est un tafsir résumé. Après cela, il a étudié des dizaines et des dizaines de tafsirs. Il dit aujourd'hui, après avoir fait tout cela, je me dis j'aurais dû me concentrer sur le tafsir de Sa'di. Je me suis rendu compte après avoir fait tous ces tafsirs qu'en fait lui, il ramène le résumé le plus important de tout cela. Donc, barakallahu fikoum, nous, alhamdoulillah, on nous a donné directement le raccourci.
Ça sert à rien d'aller prendre des chemins allongés. Hein? Malheureusement, aujourd'hui, combien de musulmans ont déjà lu tout le Coran en entier avec le tafsir? Alors que le Coran, c'est la parole qu'Allah a révélée pour l'humanité, pour nous. C'est un message d'Allah Ta'ala pour nous. C'est la parole d'Allah pour nous. Et la majorité des musulmans, ils ne savent même pas ce qu'Allah il leur dit. Comment on veut être bien guidé? La lecture du Coran, sa méditation, en comprendre l'essence, c'est quelque chose d'essentiel. Allah Ta'ala nous encourage à cela, à s'accrocher à l'anse d'Allah subhanahu wa ta'ala, à s'accrocher à ce Coran qui est la lumière pour l'humanité. Naam. Il y a d'autres tafsirs qui sont bien. Dans les autres tafsirs, il y a toujours du tri à faire. Par exemple, le tafsir d'Ibn Kathir, il y a des Israéliyat que certains savants ont trié, ils ont mis de côté. C'est pour ça qu'il y a un tafsir vérifié d'Ibn Kathir, Umdatul Tafsir de Ahmed Shakir, où il a gardé dedans que les versions véridiques, les hadiths véridiques, et il a enlevé tout ce qui était faible ou qui n'était pas nécessaire de tafsir d'Ibn Kathir. Donc il est conseillé ce tafsir-là, Umdatul Tafsir de Ahmed Shakir. C'était un muhaddith Ahmed Shakir, il est connu. Il a vérifié aussi le Musnad de l'imam Ahmed. Il dit dans sa Muqaddimah, dans son introduction de ce tafsir-là, qu'il a gardé dans le livre que tous les hadiths qui sont acceptables ou véridiques. Donc pour lui, tous les hadiths qui sont dans son livre, ils sont au minimum acceptables s'ils ne sont pas véridiques. Naam. Il y a aussi comme l'Allama al-Najmi dit, Tafsir Fath al-Qadir de Shawkani, l'imam Shawkani, c'est un imam qui était contemporain de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab et de San'ani. Mais le tafsir de Fath al-Qadir, il y a un peu de tri à faire. Il y a certains passages où il y a du ta'wil, fasid, il y a des interprétations qui ne sont pas justes. Il y a un peu de tri à faire que les étudiants en sciences pourront clairement voir, mais que quelqu'un du commun pourrait se tromper et lire et transmettre comme ça sans faire attention. Il pourrait transmettre une fausse interprétation ou une erreur. Mais la majorité, la grande majorité de ce tafsir est très profitable. Mais il n'est pas, pour faire un petit peu attention à certains points. Comme là aussi, Cheikh Saleh al-Sheikh a dit en parlant de ce tafsir, il a dit que Shawkani, en ce qui concerne le hadith, il est naqil, yankul. C'est pas son hukm à lui. Quand il dit ça c'est da'if, ça c'est sahih, etc. En général, il ne fait que transmettre l'avis d'autres. C'est pas son ijtihad à lui. Alors qu'en ce qui concerne les avis juridique, etc. Ça, c'est ses paroles à lui, son ijtihad à lui. Les autres tafasirs, il y a des tafasirs qui sont profitables dans certains points, mais qui ne sont pas faits pour tout le monde. Comme le tafsir de Zamakhshari. C'était un Mu'tazili. Celui-là, il ne faut pas le lire. Vous allez vous perdre. Vous risquez de faire de la mécréance 10 fois. Juste en 3 pages. Naam. Mais les ulama, ils l'utilisent juste pour la langue. Pourquoi? Parce que les Mu'tazila, ils étaient très, très forts dans la langue arabe. Donc, ils en tirent seulement les profits liés à la langue arabe. C'est tout. Ils laissent tout le reste. Donc, ça, c'est pas fait pour tout le monde. Barakallahu fikum. Ne vous amusez pas à aller lire Tafsir de Zamakhshari ou bien le Dhilal de Sayyid Qutb. Vous avez laissé tous les tafsirs de la Sunna, vous avez trouvé que Dhilal à lire. Hein? Alors que dedans, il parle de Wahdatul Wujud, c'est-à-dire la croyance d'Ibn Arabi, etc. Il dit du mal de certains prophètes, etc. etc. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc ce n'est pas un tafsir salafi qui est basé sur la voie des salafs. C'était un professeur en lettres. Ce n'est pas quelqu'un qui a une formation religieuse. C'est quelqu'un qui a une formation littéraire. Il était fort dans la langue arabe et c'était quelqu'un qui avait beaucoup de hamas. Il était très, très enjoint et très motivé pour la religion, mais comme il n'avait pas de science, il a dit et fait beaucoup d'erreurs jusqu'à rendre mécréant la communauté des musulmans. Dire que leur mosquée c'est Ma'abid al-Jahiliya, que c'est des temples et c'est pas des mosquées, etc., etc., etc. Qu'Allah lui pardonne et lui fasse miséricorde à la kulli hal. Mais son tafsir n'est pas à lire. D'ailleurs, beaucoup de savants ont mis en garde contre ce tafsir-là. Et subhanallah, malheureusement, beaucoup, beaucoup de la génération de ceux qui sont arrivés aujourd'hui à 50 ou 60 ans ou même 70 ans ont été touchés par ce tafsir-là dans le monde musulman en entier. Et on trouve aujourd'hui beaucoup de gens qui ont été abreuvés de ce tafsir-là dans leur jeunesse et malheureusement, ils en ont gardé certaines déviances et certains afkars. Jusqu'à maintenant, ils n'arrivent pas à s'en libérer. Et ils ont même encouragé dans leurs livres à lire ce tafsir. Comment tu encourages le commun des musulmans à avoir ce tafsir-là chez toi? Alors que dedans, il y a la croyance des khawarij, bi wahdatil wujud,
des critiques envers certains prophètes, etc., etc. Naam. Et d'autres tafassirs. Mais je pense pas que vous avez besoin de tout ça. Si un jour Allah Ta'ala vous permet d'être arabophone, contentez-vous du tafsir de l'imam Sa'di. Après cela, vous pouvez passer au tafsir d'Ibn Kathir. Écoutez les cours de tafsir de Cheikh Al-Uthaymeen. Il a expliqué le Coran en entier. L'audio, les audios sont présentes, ça prend des heures et des heures. C'est profitable. Il en tire les règles, on croit que ce soit dans l'aqida ou dans le fiqh ou dans la langue arabe. Masha'Allah. Donc si vous pouvez écouter les tafsirs, l'explication du Coran de Cheikh Al-Uthaymeen pour ceux qui sont arabophones et qui comprennent l'arabe, alhamdulillah, vous n'avez pas besoin de moi. Moi, c'est pour les francophones, un petit résumé. Jazakumullah khairan. On va s'arrêter là. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alameen. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.